Bonjour mes petits sarbis, que ça fait du bien de vous retrouver. C'est un truc de ouf. Bon, on est reparti sur de nouvelles... des nouvelles énergies, un nouveau chakra. Tout est nouveau chez Tata, c'est un truc de ouf. Alors, je vais faire cette vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé dans ma carrière et mon intérieur personnel. Sans trop en dire pour les boules de... Gérène, qu'ils attendent que les mauvaises nouvelles. Je vais pas leur faire un super plaisir en dévoilant toute ma vie. Mais en gros, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer vite fait les produits que j'ai testés. Et ça fait 3 semaines, je dois vous les montrer. Mais du coup, ça m'a donné bien le temps de me faire mon avis. Dans un premier temps, j'ai reçu de chez Chlorane le shampoing extra doux, shampoing lait d'avoine pour toute la famille des 3 ans. Moi, il m'a pas convenu. Ça, tout seul, sans après-shampoing, c'est pas possible. Donc, je retenterai, mais j'ai pas été convaincue, d'autant plus que l'odeur... en fait, avant, j'ai acheté les shampoings Chlorane. Vous savez, les transparents, là, si je trouve une image, je vous la mettrai ici. Les shampoings transparents, j'adorais l'odeur de ce shampoing et je trouvais qu'il me faisait du bien. Mais ça, j'ai pas trop kiffé, je suis un peu déçue. Aussi, j'ai reçu de chez Chlorane toujours, que je remercie au passage de m'avoir accepté. En plus, c'était une première, parce qu'à chaque fois que je demandais un produit sur Octoly, je me faisais gentiment recaler. Là, j'ai reçu l'extra doux soin des mélons au lait d'avoine. C'est pareil, l'odeur pas terrible. Par contre, ça rend les cheveux doux, mais je trouve que ça démêle pas assez. Voilà. D'ailleurs, ça démêle pas assez. Et j'ai acheté ça entre temps. Ultimate huile précieuse, lait des mélons express de chez Schwarzkopf. Franchement, il est pas mal du tout. J'aime beaucoup ce produit. Et toujours de chez Chlorane, par contre ce produit c'est un gros coup de cœur parce que ça fait 3 semaines que je l'utilise. Il a permis entre autres à mes cheveux d'arrêter de chuter, donc franchement ça je le kiffe. Force kératine concentrée en tissu de kératine, quinine, caféine et vitamine B. Donc ça c'est de la bombe, j'ai vraiment kiffé. C'est en fait il faut faire 6 à 8 pulvérisations sur l'ensemble de la chevelure, 2 à 3 pulvérisations sur les raies. Tu sépares tes cheveux comme ça. Rac, rac, tu masses un petit peu et ainsi de suite. Et ça, j'adore. Merde, je m'en suis foutu plein la gueule. Punaise, leur corne. J'adore parce que ça, déjà, ça fait du bien quand tu l'appliques et c'est efficace, tout simplement. Donc, je valide ce produit. Après, décidément, rien n'arrive au hasard dans la vie et tout est écrit. Truc de ouf, comme par hasard, j'ai un produit concentré en anti-chute à la très bonne période de ma carrière. En même temps, à cette saison. On a tendance à perdre nos cheveux plus qu'à une autre saison. Donc bref, il y avait la routine Vichy sur Ivancy, la routine Vichy Dancy Solution. Et j'ai jamais testé cette gamme pour les cheveux, donc je me suis dit là franchement c'est le produit qu'il te faut quoi. Baume, épaisseur régénérant, cheveux affinés affaiblis, concentré créateur de masse capillaire, cheveux affinés et clairsemés. Cette marque Vichy, je sais que c'est une bonne marque et je suis très contente de tester cette gamme. D'ailleurs je me suis lavée avec hier et comme vous pouvez le constater mes cheveux sont beaux. Donc franchement je sens que je vais adorer cette gamme. Merci Vichy et Ivancy parce que là j'étais archi contente. Aussi je voulais remercier Sephora parce que franchement ils ont été adorables avec moi. Ils m'ont envoyé 2 kits de rouge à lèvres sans transfert. Franchement ils sont sublimes. Il y en a 1 ou 2 qui étaient trop foncés pour moi donc je les ai donnés. Mais je les adore. Ça veut dire que toutes ces couleurs je les adore. Ce rouge là je l'avais acheté il y a pas longtemps. C'est le 18, il est sublimissime. Un peu plus orangé que le 01. Mais il est sublime, c'est un truc de malade. J'adore ces rouges à lèvres. Le confort, franchement, mes lèvres elles sont trop belles quand je mets un rouge à lèvres sans transfert. Je suis au summum de ma bioterie. J'adore mes lèvres, c'est un truc de ouf. Enfin bref, merci Sephora. Je suis au paradis là. Franchement, je suis au paradis. Ah oui, un autre truc que j'ai reçu de chez Benefit, que je remercie au passage, c'est le Boeing... de chez Benefit, anti-cerne professionnel en teinte 02. Malheureusement, il est trop foncé pour moi, je ne vais pas pouvoir l'utiliser et je vais le donner à une copine. Donc voilà, merci de m'avoir accepté, mais là, je ne peux pas vous donner mon avis, malheureusement. Par contre, sur ce produit-là, le Foolproof Brow Powder, franchement, la tenue est irréprochable et j'ai bien kiffé ce produit, franchement. Pour combler un petit peu mes sourcils, et ben, ça me convient parfaitement. Donc, qu'est-ce que je fais en ce moment à mes cheveux et pourquoi je les ai coupés? Je vais vous mettre vite fait un avant-après de ma coupe, juste là, après, bon, juste là, n'importe quoi, juste après, comme ça vous allez comprendre de quoi je suis partie en fait. Oui.
Donc, en fait, j'aurais pu plus couper, mais je me suis dit coupe ça et petit à petit tu couperas un centimètre par-ci, un centimètre par-là. Et déjà, je peux vous dire que ça m'a fait grave du bien parce que mes cheveux, mes pointes, elles sont beaucoup plus jolies. J'ai plus de fourche, donc c'est pas plus mal. Et quand une femme a coupé ses cheveux, ça veut dire que c'est un nouveau départ et tout le bazar. Donc, on va dire que c'est pas plus mal. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Alors, déjà, je vais vous dire ce que j'ai mis. J'ai mis Ruxaline en crème de jour et contour des yeux. Alors, je vais me maquiller avec vous et vous expliquer un peu le merdier. Et voilà, en fait, je voulais vous dire, j'oublie tout. En ce moment, vu que je laisse reposer mes cheveux, le temps qu'ils se fortifient un peu, j'utilise ce shampoing de Deux Sanges, cheveux blancs et gris. Je le laisse à peine poser et franchement, il marche super bien. Donc, voilà. Cette gamme, elle est top. Donc, je vais mettre le fond de teint Fenty Beauty en teinte 150. Ne le mettez pas quand vous avez la peau sèche, c'est juste une horreur. Franchement, c'est une horreur. Et des fois, ma Beauty Blender, elle était morte la dernière fois. Ici, ça voulait pas pigmenter ma peau. Je l'ai enlevé direct. Ça m'a vénère. Mais voilà quoi. Bref, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, avant que je mette mes 60 extensions dans la tête... Justement, pour combler le fait que ma nuque avait pété, quand j'ai fait la décoloration, pour celles qui me suivent, vous le savez, j'avais décoloré mes cheveux comme une conne, avec ce produit de merde, bombe à gel, tu vois, c'est de la grosse merde. J'avais décoloré mes cheveux, ça va, je me suis dit je suis protégée, nan nan. Bref, bien fait pour ma gueule, je le sais, merci, au revoir. Putain, j'ai mis du fond de teint dans mes cheveux, je rêve. Bref, j'avais décoloré mes cheveux, ça les a affaiblis, mais un truc de malade dans la nuque. Heureusement que j'ai fait que ma nuque. Ça les a affaiblis, mais comme jamais. Du coup, ils tombaient, parce qu'avec la déco, ça tombe pas tout de suite. C'est plusieurs shampoings après que ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et tu récupères tout ce qui est de la merde. Voilà. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Ma nuque fait actuellement 10 cm. Comme je vous l'ai dit hier sur Snap, j'ai mesuré et ma nuque fait 10 cm. Donc voilà, ma plus grande longueur fait 42,5. Et je vais vous dire tout ce que j'utilise pour faire pousser mes cheveux et tout le bordel. Bref, alors ce qui s'est passé, c'est qu'avant que je mette mes extensions, j'avais déjà une chute, mais qui était encore, on va dire, normale. On va dire que la chute devient anormale quand ça commence à dépasser les 100 cheveux par jour, quoi. Là, tu te dis, j'ai un problème, j'ai peut-être des carences ou là, je sais pas, tu vois. Bref. Et moi, j'ai mis mes extensions et après, j'ai eu une chute ici, là. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'extension. Donc, ça veut dire... de toute façon, les extensions, ça m'a jamais abîmé les cheveux. Bien au contraire. Et sinon, j'en poserai même pas. C'est clair et net. Bref, je précise que je pose que à froid et je m'en remettrai plus tard quand mes cheveux auront repris un peu et ma nuque aura poussé un peu. Bref. Alors, quand j'ai mis mes extensions, j'ai eu une chute comme jamais j'ai eu dans ma carrière. Et au final, c'était dû au stress. J'avais pas forcément de carence, sauf en vitamine D, comme tout le monde. Donc voilà, je me suis auto-stressée en fait. Parce que j'avais constaté 2 semaines avant que je déconnais un peu sur ce que je mangeais. Du coup, mon fion, il était commencé à être con. Et mes jeans 38, il me disait calme ta joie, parce que là, tu vois, ça va pas le faire. Et j'étais très mal à l'aise dans mes 38. Donc, il me voit encore, mais je suis pas une flic, tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas... j'ai pas mes mouvements qui sont habituels. Enfin bref, t'as compris. Et en même temps, j'ai fait de la rétention d'eau, mais violent. Ça veut dire que mon corps était gonflé, mais c'était un truc de malade. J'avais un mauvais sommeil, je me couchais très tard. Plein de trucs qui jouaient. Et je mangeais très 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 mal. Je faisais n'importe quoi, je me suis un peu trop lâchée. Et voilà le résultat. Du coup, ça m'a plombé le moral. Je me suis stressée à la moelle épinière. Je me suis grave stressée toute seule. Ce qui a donné le résultat que mes cheveux ratent. Ils sont béton. Et ma nuque, elle est tombée pour la moitié. Quoi. Donc voilà. Au final, au début, en fait, moi je suis une baltringue. J'ai pris peur et je me suis dit, bon Nathalie, là... la chute de cheveux, même ta frange, tu la touches à peine et ça tombe. Donc là, traite ton problème de chute de cheveux, enlève les extensions, comme tu dis à tes princesses. Parce que quand les filles me disent, ouais, je te perds mes cheveux en ce moment, je leur dis, va faire une prise de sang, je suis pas médecin, moi, va faire une prise de sang, tu vois tes carences. Tu prends ce qu'il faut pendant 3 semaines, tu constates que tes cheveux vont mieux et tu reviens.
parce que je vais pas prendre le risque de rajouter un poids à un cheveu qui est en train de se recycler ou sur une fille qui a des graves carences, certainement pas. Donc, je les ai enlevés, je les ai rangés, je me suis dit je les mettrai plus tard, c'est pas grave, j'ai déjà traité mon problème à la base. Du coup, j'ai enlevé mes extensions et au final, tellement que ici là, j'avais pas d'extension, je faisais ça, je me retrouvais avec 20 cheveux dans ma main. C'est un truc de malade. Genre ça, c'était tous les cheveux que j'avais quand je récupérais une mèche. Enfin, c'était horrible. J'étais au bout de ma vie, je croyais que j'allais finir chauve, vraiment. C'est un truc de malade. Même ma frange, là, c'est pour ça que je me tâte à la couper, parce que, vous voyez ça? Ben voilà, c'était la fragilité de mes cheveux. Ils partaient, en fait. Et je crois que je vais couper ma frange, ça commence à me gonfler. Mettez-moi un commentaire si vous voulez que je coupe ma frange avec vous, mes petits sarbis. Bref, je me suis dit, bon, sois sérieuse, enlève-les. Et bref, quand je les ai enlevés, tellement que j'avais enlevé de cheveux en haut, en fait, dû au fait que ma nuque, elle avait pété, j'avais déjà perdu au moins ça de masse, d'accord? Donc ça rendait un peu nu la longueur, si tu veux. Je te mettrai juste avant, tiens, je l'avais filmé l'avant. Ça, c'était avant que je pose mes extensions, donc je te mettrai la petite vidéo pour te montrer dans toute la partie en bas, les pointes, en fait, elles étaient vides. C'était la partie qu'il fallait absolument que je coupe, mais j'avais pas envie, en fait. Et tu vois, c'est le destin, parce que là, vu que j'ai perdu des cheveux un peu de partout en haut, sur le plateau et tout, eh ben, ça m'a encore rendu les pointes encore plus rideau Ikea, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai coupé tout ce qui était vide, en fait. Enfin, pas tout, parce qu'il me reste un tout petit peu. J'aurais pu couper encore ça, hein, franchement. Mais j'ai pas envie. J'attends qu'il repousse, et après, je vais recouper deux bons centimètres, et après, je pense qu'on est bon. Et bref, j'attends que ma nuque, elle repousse. Tout le bordel, quoi. Voilà. Donc voilà l'histoire, pourquoi j'ai coupé mes cheveux, mes petits sarbis. Et c'est pas plus mal, c'est le destin, voilà, ils repousseront mieux et en pleine forme. Voilà, bon, je te cache pas que ça m'a déprimé, ça m'a flingué le moral. D'ailleurs, je suis pas là depuis 3 semaines parce que mon moral, je suis pas où, tu vois. Là, ça va beaucoup mieux, j'ai la pêche, mes cheveux ils revivent, même mon chéri me l'a dit hier qu'ils avaient pris de la masse et tout le bordel. Donc comment te dire que je suis au paradis. Et ce qui m'a redonné du peps aussi, c'est de m'inscrire au code. Donc voilà quoi, ça m'a fait penser à autre chose. Et tu vois, le fait d'avoir vu mon médecin, au début je voulais pas regarder combien je pesais, après j'ai regardé et ça m'a filé un coup de pied au cul. Ça veut dire que depuis le 10 octobre je suis au régime forcé, mais un régime où je mange très très bien. Vous pouvez me suivre, merde, qu'est-ce que je fais, je suis con quoi. Vous pouvez me suivre sur Snap, je vous donne des idées de recettes. D'ailleurs, il y a 2 semaines, j'avais plus du tout envie de cuisiner, plus du tout envie de rien. Tout me faisait chier en fait. J'arrivais plus à rigoler, j'arrivais plus. J'étais très conne il y a 2 semaines. Ça, c'était vraiment. De toute façon, c'est la saison. Franchement, mais je suis pas bien en hiver. Je déteste cette période et c'est peut-être aussi parce qu'on approche du mois de décembre et que ça va faire un certain temps que maman est partie. Bref, à chaque fois, tous les ans, cette période, je suis pas au meilleur de ma forme. Mais ça passe après, tu vois. Donc voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Là, je fais mon contouring avec la palette de chez Tarte, que ma sœur m'a offert, que j'aime d'amour. Donc voilà. Voilà le bordel. J'avais le moral au plus bas. J'étais vraiment très triste. J'avais des idées à la con. Et je voyais la fin de ma carrière. Bref, enfin, je voyais tout noir, en fait. C'était un tout. C'était un tout. Heureusement que mon chéri m'a soutenu. Ça va beaucoup mieux. Mais j'ai envie de te dire, pour remonter la pente, il n'y a que toi-même qui peut t'aider. Il n'y a que toi-même. On est le moteur de notre vie. D'accord? À partir du moment où tu n'entretiens pas la carrosserie, ça part en couille. Et il n'y a personne qui peut se mettre dans ton moral. Donc bon, voilà quoi. Il faut te reprendre en main tout seul. Bref. Voilà, ça m'a l'air pas mal ça. Je vais faire mes sourcils vite fait avec la Foolproof de chez Benefit. Je vais prendre la couleur la plus foncée ici. Et hop. Donc voilà ce qui se passe dans ma vie en gros. J'ai mesuré toutes mes parties de mon corps jusqu'à mes bras et mes cuisses. Et je vous ferai un récap dans 2 mois. De ce que j'ai perdu en centimètres et qu'est-ce que j'ai perdu en kilos, sans vous donner mon poids parce que je trouve ça personnel et que j'ai déjà eu le genre de gonzesse soi-disant copine qui te dit
Ah, tu pèses combien? Tu peux te mesurer pour que je me compare? Non, mais la blague, quoi. Donc, j'ai pas trop envie de donner mon poids. Bref. De toute façon, sur YouTube, faut pas trop en dévoiler. Hein, parce que plus t'en dévoiles, plus t'as de chances d'être emmerdé. YouTube, c'est un monde. Hein. C'est un monde, je te le dis, moi. Tac, voilà, ça c'est parfait, j'ai pas besoin d'en faire plus. Donc, qu'est-ce que je fais en ce moment? Oh merde, qu'est-ce que je fais en ce moment sur mes cheveux? Eh ben, j'alterne, alors ça je l'ai fait pendant 3 semaines, comme je vous l'ai dit, c'est de la bombe, j'ai vraiment kiffé. Et là, depuis que j'ai reçu ça hier d'Aircos de chez Vichy, je vais alterner en fait. Je vais alterner une semaine celui-là, une semaine l'autre. Donc ça c'est de la bombe. Et qu'est-ce que j'ai fait qui m'a stoppé ma chute de cheveux? Je fais des masques que j'applique en racine, huile d'ail, huile de moutarde, huile de nigel, huile de carapate. Merci Sarbé qui m'a conseillé ça. Ça m'a permis de mieux apprécier parce que ça n'a pas la même texture que l'huile de ricin. Et je trouve que c'est bien mieux. Faut pas en mettre trop hein, par contre. Hein. C'est bien mieux à supporter. Enfin bref, tu m'as compris. À rincer aussi d'ailleurs. Et donc, huile d'ail, huile de nigel. Putain, hein, je suis en train d'en mettre une tonne. Huile d'ail, huile de nigel. Huile de carapate. Et huile essentielle de menthe poivrée. Ça, c'est la vie et ça me sauve de tout. Je te le dis. Donc, voilà ce que je fais sur les racines. Une fois par semaine, voire deux, quand j'ai envie. Mais je ne vais pas non plus saturer mes cheveux en masque, ça ne sert à rien. Bref, petite parenthèse, on va faire un make-up avec la Ultimate de chez NYX. C'est une palette qui est mignonne. Palette mignonne, elle est pigmentée moyennement. Et disons que... disons qu'elle est pas mal pour les débutants, tu vois. Moi, je suis une débutante, donc ça me concerne, j'ai envie de te dire. Mais voilà, elle est pas mal. C'est pas un coup de cœur de ouf, mais elle est pas mal. Les couleurs sont jolies. Donc, en premier lieu, je vais appliquer cette couleur pour unifier ma paupière mobile. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, voilà, j'applique ce mélange en racine et en longueur, toujours pareil, huile de coco. Voilà, c'est ma meilleure amie, huile de coco, comme vous le savez. Donc voilà, j'ai pas changé les vieilles habitudes. À un moment donné, j'avais essayé le biotine plus le zinc le 15 juillet. Alors, je l'ai pas essayé très longtemps, ça, ça m'a gonflé. J'ai pas trouvé ça ultra efficace, d'autant plus qu'une Sarbi, elle m'a dit la biotine plus le MSM, c'est mieux. Donc là, j'avais pris ça, une tablette par jour, il y en a pour toute l'année, ça c'est génial quand même. Mais franchement, je me suis dit, j'ai envie de prendre du soufre tout seul en fait. Donc je suis retournée à celui-là. Attention, ne prenez pas des autres bizarres qui sont pas du tout les mêmes, la même composition. Faites attention parce qu'il y a une Sarbi, elle m'a dit qu'elle en a pris un, ça n'a rien à voir avec celui-là. Il lui a fait des boutons sur le visage, or que la plupart d'entre vous m'ont dit que votre peau allait mieux depuis que vous prenez ça. Et moi-même, je le constate sur ma peau. Donc bon, donc faites attention à ce que vous prenez, c'est vraiment celui-là et pas un autre. Moi, je me décharge de responsabilité si vous prenez un autre. Voilà. J'arrête pas de dire « je suis désolée, cette vidéo est complètement filmée à l'arrache. » Mais voilà, je me dévoile et je... Voilà, c'est comme ça. Merde. Donc, après, on va appliquer cette petite couleur orangée en chronopopia. Alors, comme vous avez vu pour mes Sarbi Snap, hier, mon chéri m'a mesuré mes cheveux qui font actuellement la plus grande mèche, elle fait 42,5. Et ma nuque mesure 10 cm. Nous sommes le 19 octobre. Voilà, donc toutes ces mesures, je les ai marquées. On fera le point dans, je sais pas moi, un mois. Parce que, comme vous avez vu, j'ai fait le spray à l'ail et au gingembre. Merci Sarbi Shahma, tu m'as motivé à le faire. En plus, je savais que ça marchait parce que à l'époque où j'avais mesuré mes cheveux, le 23 mai, je faisais 43 cm. Le 15 juillet, je faisais quand même 48,5. Donc, c'était à l'époque où je vous avais parlé de la gamme Mix Nature, où j'avais pris les shampoings qui font pousser les cheveux. Franchement, c'est une tuerie. Et je prenais aussi le soufre, tu vois. Donc, ça parle tout seul en fait. Il n'y a même pas besoin de chercher ailleurs. Et aussi, c'était quoi le truc? Ben bref, je vous mettrai les vidéos qu'ils ont été pendant cette période où j'ai pris 5,5 cm en à peine 2 mois. Donc franchement, c'est un truc de ouf quoi. Du coup, je savais que le gingembre marchait. Voilà, c'est le masque au gingembre que je faisais aussi. Je passe du coq à l'âne, mais voilà, si ça te convient pas, je suis désolée. Mais là, je m'éparpille parce que j'ai trop de choses à dire.
Donc voilà le tout team, je sais plus où j'en étais. Bref, je suis motivée, je vais faire repousser mes cheveux. N'hésitez pas, si vous suivez mes conseils, à prendre une photo avant et après de vos cheveux pour qu'on voit les résultats. C'est quand même mieux. Ah oui, c'est ça que je disais. J'ai fait le spray pour mes service snappers, ils sont au courant. J'ai fait le spray à l'ail, gingembre, cannelle. Ça, il faut absolument, dans tous les masques naturels, faire une touche d'essai pour voir si on n'est pas allergique à un truc. Enfin, vraiment attention, à partir du moment où ça te brûle ta touche d'essai, tu ne le fais pas. Parce qu'il ne faut pas non plus déconner et faire tout et n'importe quoi. Après, je prends le fard Hood de la palette de Da Beauty, la Desert Dusk, que j'affectionne particulièrement. Même si elle est chuteuse, je l'aime bien. J'en mets, je travaille mon coin externe. Et là, je crois que j'en ai mis un peu trop. Alors, le pinceau de chez Zoeva, le 10, là, c'est le 10. Le 228, n'importe quoi. Il est bien, mais alors à partir d'un moment, il perd ses poils et tout. Franchement, voilà quoi. Il est pas bien dans la durée. Hein. Bon, maintenant, il coûte 10 balles, donc on va pas se plaindre, mais c'est quand même bon. Dites-moi ce que vous en pensez si vous avez testé les pinceaux Zoeva. Parce que peut-être que je suis con et que je suis un peu exigeante, mais là, je trouve qu'il perd ses poils et que voilà quoi. Il n'a pas une durée de vie de ouf. Donc après, je prends cette couleur, la claire là. Je vais unifier ma paupière. Elle est quand même pigmentée hein, cette palette. Voilà quoi, ça va. Il y a pire on va dire. Puis elle est pas trop non plus pour permettre de pas trop se louper, tu vois. Je vais prendre la couleur safran et je vais retravailler mon coin externe. Je tape légèrement. Après, pour éliminer mon coin interne, je vais prendre ce fard. Je reprends le highlight de chez Fenty Beauty et je vais en mettre ici et encore une touche au coin interne. Alors en ratil, je vais mettre ce fard là, le Oud. Je m'y suis pris comme une quille. En ce moment, je mets franchement souvent le liner Ico, malgré que son frère le mascara il soit flingué. Franchement celui-là il est bien et il est bien pigmenté, il bouge pas. Facile à appliquer. You're my weakness. I won't cry. I won't cry if I were you. Try all your tears I'm still. Après j'ai ressorti le Paradise Extactic de chez L'Oréal. Franchement il est bien ce mascara. Pour un mascara de grande surface, je valide. J'estompe mon highlight parce que j'en ai mis 3 tonnes. Donc après, je vais poudrer un peu avec la poudre Fenty. Vraiment histoire de... Hein, je fais tout à l'envers. Hein. J'aurais pu le faire avant, mais moi, je suis une meuf qui marche à l'envers. Je recule de 3 pas, j'avance de 10. Tu vois ce que je veux dire. Oh, que ça fait du bien de se pouponner. Qui c'est qui va te pouponner si tu fais pas tout seul, hein? Like a niche, t'es moins fan. J'ai oublié de vous dire, en plus, tu sais quoi, quand Maxime il a fait son snap et il a parlé du Manier B6, je me suis dit, je sais pas, j'ai eu un flash, je me suis dit prends-le. Et après j'ai oublié. Et ben je prends ça maintenant. Donc voilà, irritabilité, nervosité, fatigue passagère, Manier V6. Donc ça j'en prends un par jour et je vais le faire pendant 2 mois, ça me fera pas de mal. Ah oui, ce que je fais aussi, et je suis pas du tout payée, j'en ai rien à foutre, je dis ce que je pense, tu vois. Je prends le True Beauty de chez Natural Moro parce qu'il y a du zinc et ça, le zinc, ça fait du bien aux cheveux. Et j'ai remarqué que quand je les prenais, mes cheveux étaient plus forts en fait. Je vous raconte pas de conneries. Hein. Donc, je mélange une cuillère à soupe de True Beauty et une cuillère à soupe de Berry Boost parce qu'il y a de la spiruline, très bon pour les cheveux. Protéines de pois, je sais pas si... Non, ça, on s'en bat les reins. Bref, spiruline, zinc, cocktail très bien pour les cheveux. Donc moi, personnellement, ça me fait du bien. Je mélange... avec le jus innocent là, j'ai trouvé ça, c'est super bon, au orange kiwi. Et je mets une cuillère à soupe de graines de chia et je laisse 5 minutes que les graines de chia elles prennent un peu de volume parce que ça c'est très bien pour le régime, ça absorbe aussi les graisses comme le son d'avoine. Donc voilà, je fais ça en ce moment. D'ailleurs j'en ai presque plus, ils m'ont recontacté donc je vais m'empresser de leur demander ces deux produits que j'affectionne particulièrement. Et je vais peut-être demander aussi le Fit Cap, vu que je l'avais donné à une copine qui était au régime à l'époque.
pour qu'elle essaye. D'ailleurs, je crois qu'elle avait bien aimé. Sophia, si tu passes par là, dis-moi ce que tu en as pensé. Je me rappelle plus ce que tu m'as dit. Moi et mon cerveau, tu vois, ça fait 10 ans. Bref, vu que là, je suis très très sérieuse dans mon régime, que je sais où je vais peut-être leur demander. En rouge à lèvres, à chaque fois que je les vois, c'est rouge à lèvres, j'hésite. Je vais mettre le 23. Ouais, je vais mettre le 23. N'hésitez pas à faire un gommage des lèvres si vous avez les lèvres sèches avant d'appliquer n'importe quel mat. Parce qu'après, c'est dégueulasse. J'adore. Pour finir, ça fait longtemps que je fais pas ça. Je me spray la gueule avec le MAC Fix Brume Fixatante Rafraîchissante, qui est très bien. Hop là. C'est bon, je suis prête pour aller échanger de jogging. Je vous raconte ma vie en même temps, que j'ai acheté au marché jeudi dernier. À côté de chez moi, et comme une conne, tellement que je me voyais, j'ai pris du L et au final c'est 10 000 fois trop grand. Je vais aller le changer pour du M ou du S. Je pense que je vais prendre du S parce que je vous conseille en période de régime de limite acheter une taille au-dessus, ok, mais pas 10. Et c'est pas bon d'acheter une taille au-dessus parce qu'on a tendance à la remplir. Tu vois ce que je veux dire? On va pas. Je sais pas comment t'expliquer, mais là tu vois, c'est pas bon d'avoir pris des joggings extra larges parce que je vais pas me rendre compte si je perds ou quoi. Voilà, je préfère prendre un truc qui me va pas et me donner l'objectif de rentrer mon fion dedans. Hein ? Là, actuellement, je rentre dans mon 38, mais il me dit « Reste tranquille, sinon je vais éclater de mes nerfs. » Donc voilà, quoi. Là, ça va mieux, je sens que j'ai bien dégonflé un truc de malade. Et j'ai décidé de me peser tous les 10 jours parce que des fois, on perd pas en poids, on perd en centimètres. Donc, je mesurerai tous les 10 jours aussi. Non, mais la meuf, elle a mal formulé sa phrase, laisse tomber. J'ai décidé de me peser tous les 10 jours pour pas me traumatiser si jamais j'ai une stagnation ou quoi. C'est pas bon de se peser tous les jours. Par contre, je vais mesurer, on va dire, tous les 5 jours, c'est mieux. Comme ça, ça me permettra de voir si je perds un tour de taille et tout le bordel, tout ce que j'ai mesuré. Les bras, les machins. Voilà. En tout cas, je connais mon corps et je sais que je suis capable d'y arriver et tout le monde en est capable. Une fois qu'on a un coup de pied au fion, il n'y a personne d'autre que toi-même qui te le mettra. Donc, réveille-toi, Yasahbi, et luttons ensemble contre la Sherma. Voilà. Dernier conseil pour la route, si vous n'avez pas le moral, ne vous inquiétez pas, c'est passager. C'est la saison qui est conne, du coup on est conne, ça se répercute sur nous. Voilà quoi. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est occupez-vous plus de vous, parce qu'on a tendance à s'oublier, à trop penser aux autres. Donc, c'est pas bon, on se néglige. Moi-même, moi la première, hein, j'ai beaucoup de mal à penser à moi. Bref, là, ce qui m'a permis de rebondir, j'ai envie de te dire, c'est de m'inscrire au code. Code clic, c'est vraiment pas mal, mais moi, j'avais besoin de me rassurer, du coup, je me suis inscrit à l'auto-école. Et donc, voilà, ça me motive, ça me permet de penser à autre chose, de faire le code. Et voilà, quoi. Et je peux pas me permettre de me miner l'esprit comme ça pour rien, en plus, parce que... On n'avance pas quand on se mine, on fait que de reculer. Et c'est pas le but dans la vie. Donc, quand il y a des sahbis qui me disent « Quand je te vois passer le permis et de ça, tu me motives, ça me fait grave plaisir. Mais si moi j'y arrive, toi aussi tu peux y arriver. » Donc, arrête de te dévaloriser. Je te dis ça, en même temps je me dévalorise constamment. Donc c'est un peu délicat et un peu incohérent. Mais voilà, quoi. C'est un conseil que je peux te donner. Arrête de te dévaloriser. Tout le monde en est capable, il faut juste se donner les moyens. Donc voilà, j'en ai fini avec le tout, quoi, tu vois. Ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Khamsa fi aynik aux gens qui me portent l'œil, qui sont malsains, qui sont mal intentionnés. Bah, franchement, j'ai une team sahbilante, c'est génial. Mais il y a 2-3 mqawed qui sont un peu... on n'est pas dans le même monde, en fait, tu vois. C'est pas grave, ma'lish, Rabbi voit tout. Et il y a des procédures qui sont en cours. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, et sachez que vous faites les malins, les gens comme ça, les gens mauvais, les gens qui ont un fond noir. Mais le jour où le chakra va vous revenir en pleine gueule comme un boomerang, putain, vous allez redescendre. Ah, je te jure, et vous penserez à tous les gens que vous avez voulu détruire, mais que vous n'avez pas réussi, bien entendu. Enfin, voilà quoi. Attention au boomerang, je te le dis moi. Et ça sera bien fait pour ta gueule, parce que on. Ok, je sais plus c'est quoi le proverbe à la con là. On a ce qu'on mérite, exactement. On a ce qu'on mérite. Mais bien sûr, tu crois que ça va pour qui? Ça va pour tout le monde. Ça. Crois pas que tu mènes. T'as pas de soucis pour l'instant, mais t'inquiète pas que tôt ou tard, la roue elle tourne. Alors là, je te dis pas. Bref,
Soyez sain d'esprit, ne soyez pas mal intentionnés, soyez heureux pour vos amis qui réussissent dans leur vie, ne soyez pas envieux, voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire moi, ces gens, je sais pas, moi ça me dégoûte. Bref, merci à ma team, Sarmiland, vous êtes trop mignon, un truc de malade, franchement j'ai rien à dire, j'ai trop d'amour dans ma communauté. Il y a toujours des parasites de toute façon dans la vie, que ce soit dans le réel ou sur YouTube, il y a toujours des parasites. Quoi que tu fasses dans ta vie, tu auras toujours des connards, excusez-moi, ou des connasses qui sont pas contents de ton évolution, ton avancée. Même si t'as rien, ils sont... Oh, laisse tomber. Bref, heureusement qu'il n'y a pas que des gens comme ça dans la vie et qu'il y a des gens qui ont un cœur sain. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, mes petits sarbis. On se retrouve très prochainement pour un haul avec des jeans qui t'effacent le fion totalement et des jeans qui te font un bandeau de ouf, j'ai envie de te dire. Voilà, je vais vous faire un haul prochainement et je reviens sur de nouvelles bonnes ondes en pleine forme. Et plus jamais, je me casserai la gueule comme il y a 2 semaines. J'avais l'impression que mon cerveau il était éteint. C'était un truc de ouf, ouf, ouf. Bref. C'est tout ce que j'avais à dire et n'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, c'est Nat Extension, sur Instagram pareil, même si je suis pas trop active sur Instagram, j'ai du mal moi avec les photos sur Instagram, j'ai un peu de mal, je poste mon travail, mes princesses et des fois des photos, je sais pas, j'ai un peu de mal. Bref, je vais m'y mettre un jour, peut-être que j'aurai un fil d'actualité un peu fashion, peut-être, on ne sait pas. Je vais vous laisser et c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura rendu service. Et un autre conseil avant de me barrer, si vous avez des problèmes de chute de cheveux, faites une prise de sang. Surtout, ne stressez pas comme moi parce que c'est une chute saisonnière au final. Voilà, ne stressez pas parce qu'au final, quand on se stresse, c'est encore pire. Donc voilà, j'ai appris à me faire ma propre thérapie et je m'auto-calme. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui mes petits sarbis. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon ravalement façade. Moi c'est le make-up que je fais régulièrement en ce moment. Voilà, ça me suffit. Je me sens plus fraîche. Et voilà quoi, c'est formidable. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous. Et ne vous laissez pas détruire par tout. Enfin, ne vous laissez pas envahir par le quotidien de la vie qui est parfois bien relou. Voilà, il faut rebondir. Je vous envoie de la pêche et de l'amour et de la force et de la... Tu vois ce que je veux dire? C'est les merligomes, les petits jeunes. Si vous goûtez le truc là, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça, ça passe crème. Putain, je suis en train de faire de l'ASMR en buvant. Smahli. À la vôtre, les sahbés. C'est les merligomes.